Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. सुरोते अम्मा मेरी जान कैसे मुन्ना मेरा रात खाए शहर में हम बेसहारे गांव मेरा घर पुकारे कल क्या होगा सोचता दिल थम सजाता रे ये बीमारी जान लेती काम छोटे घर बुजाड़े ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे गांव माटी दूर तो है छोड़ आए घर में भूखे भात लाने दूर आए भूख चाहे कितना भी हमको सताए साथ अपनों का हो तो गम भूल जाए भूख चाहे कितना भी हमको सताए साथ अपनों का हो तो गम भूल जाए देश तो है मान मेरा दिल बोले हाथ जोड़े मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे
देश तू है मान मेरा, दिल ने बोले हाथ जोड़े, मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। ओ सोचता दिल थम सा जाता रे, कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ओ कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। Ce chant pour exprimer notre empathie pour tous les travailleurs migrants. Il y a plus de 140 millions de travailleurs migrants dans le pays. Aujourd'hui est la journée internationale du travail. Les mains et la sueur qui alimentent l'industrie mondiale. Des gens anonymes, mais ce sont leurs mains qui font tourner les roues de l'industrie moderne. C'est leur sueur qui lubrifie les roues. Actuellement, avec la pandémie, dans le monde entier, c'est ce segment qui va être frappé très fort. Eh bien, dans de nombreux pays, ce segment est un segment organisé. Donc, dans ces pays, ils auront des moyens de négocier. Ils auront des moyens de traverser cette passe. Eh bien, pendant la Grande Dépression des années 1930, environ 24% des gens ont perdu leur emploi. C'était considéré comme la pire chose qui aurait pu se passer dans le monde en termes de pauvreté, de faim, de famine. Mais les estimations aujourd'hui, post-pandémie, les taux de chômage pourraient être bien plus élevés. Eh bien, aujourd'hui, le monde est un peu mieux organisé qu'il ne l'était au début du XXe siècle. Donc il se peut qu'on surmonte ça un peu mieux. Mais c'est ce segment que nous appelons ouvrier qui va être frappé très durement. C'est choquant de voir que normalement, nous pensions que dans les villages, ce n'est pas qu'on ne le sait pas, mais on reste, ça ne vous rentre pas dans la tête. Généralement, dans les villages, tout le monde a un morceau de terre et il y a toujours quelque chose à faire. Mais maintenant, seulement, comme nous sortons pour aider ces gens, on voit combien de personnes sont là qui ne sont pas de cet endroit, qui viennent d'autre part pour un travail saisonnier. Et ils sont coincés ici, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas à manger. Et le pire, c'est que leurs familles, ce sont principalement des hommes. Leurs épouses, enfants, mères et autres sont dans leur village, quelque part loin d'eux. L'inquiétude de ce qui leur arrive. Beaucoup d'entre eux ne sont plus en contact parce qu'ils ne sont pas capables de payer leurs factures de téléphone. Ils ne peuvent pas leur parler.
Eh bien, maintenant, le nombre de personnes à qui nous servons à manger a atteint plus de 11 000, mais il semble que ça va encore beaucoup augmenter. Un certain assouplissement du confinement commence à avoir lieu. La ville de Coimbatore est passée du rouge à l'orange. Donc, ils disent que d'ici le 10 ou le 12 de ce mois, s'il n'y a pas de nouveaux cas, s'il n'y a pas de flambée, alors elle va passer en zone verte. Cela veut dire que les gens peuvent sortir et sont libres de travailler n'importe où, ce genre de situation. Mais toujours est-il que ça ne réglera pas leurs problèmes, parce que les entreprises peuvent ouvrir, mais elles ne vont pas être en pleine effervescence tout de suite, ça va prendre du temps. On ne sait pas, un mois, deux, trois mois, six mois, combien de temps ça va leur prendre d'absorber toute la main-d'œuvre complètement. C'est un grand point d'interrogation. Mais pas moins de 45 à 60 jours, ça va prendre autant de temps. Donc ceux qui ont un salaire journalier, qui ne sont pas dans un secteur organisé comme la construction, l'agriculture et diverses autres choses, ils n'auront pas de moyens de subsistance. Donc, ça va être un gros problème. Dans ce pays, à coup sûr, c'est assurément un problème dans le monde entier, à différents niveaux, dans différentes nations. Donc, aujourd'hui est la journée du travail. Si nous voulons aider un grand nombre de personnes qui sont dans cette situation, au 21e siècle, avec les niveaux de transport, d'information et d'interconnexion qui existent dans le monde, eh bien, une pandémie est là, elle tue des gens. Je crois que ça a dépassé le quart de million. Mais avec tant d'organisation, de capacité de transport, de capacité d'informer et d'actionner des choses à travers le monde. Une chose qui ne devrait pas arriver est que les gens meurent de faim. Parmi tous les maux dont les êtres humains peuvent souffrir, la faim est le pire de tous. Car c'est le plus débilitant. Et elle vous ôte votre humanité de bien des façons. Sur le chemin spirituel, la faim est un outil. Où être affamé quand le feu dans votre estomac dévore tout en vous, malgré cela, continuez votre sadhana, maintenir votre attention, maintenir la dignité d'être humain, c'est beaucoup de travail. Je connais la douleur de la fin d'expérience, donc je souhaite que ces gens ordinaires qui ont quitté leur maison, non pas en quête de quelques aventures, non pas en quête d'un objectif spirituel, mais juste en quête d'un gagne-pain, un simple besoin. Nous devons nous assurer
qu'ils ne passent pas en mode famine. Autrement, à quoi bon les journées des travailleurs? Cette question vient de Piyush. Namaskaram Sadhguru. Pourquoi moksha est-il considéré comme l'objectif le plus élevé dans la culture yogique quand il y a tant de problèmes dans la société, tant de travail à faire où le temps d'une vie ne suffit pas? Ce n'est pas qu'il y a des problèmes dans la société. La société elle-même est un problème. Essentiellement, société veut dire la plus petite unité de la société est la famille. Puis viennent d'autres composants. De nos jours, probablement, la plus grande unité de la société est la nation. Eh bien, nous parlons d'un village global, mais c'est seulement dans le cyberespace, dans l'espace des rêves. Vous voyez, quand une pandémie a lieu, quand il y a une pénurie, le premier niveau de séparation qui a lieu dans le monde est la nation, nation contre nation. Si ça va plus loin, peut-être État contre État. Si ça va plus loin, communauté contre communauté. Encore plus loin, famille contre famille. C'est ça l'ordre. Il n'y a qu'en cas de crise que vous savez quel est l'ordre et la structure de la société. Donc l'unité la plus basique de la structure sociale est la famille. Eh bien, est-il mal que les gens se rassemblent? Ce n'est pas ce que je dis. Tous les animaux ont leur propre société. Les éléphants ont leur propre société. Les paons, vous voyez, ils ont au moins leur propre famille. Vous les voyez tous les jours. Et ainsi de suite, chaque créature en a une. Donc à partir de cette habitude, nous aussi avons formé des sociétés. Et bien sûr, les gens ont proposé des philosophies. L'homme est un être social. L'homme est un être social quand il est impuissant. Dès qu'il devient plus fort, il veut être seul. Quand il a besoin de quelque chose, il a besoin des gens. Quand il n'a besoin de rien, Donc les hommes sont quelque part entre les deux. L'être humain est quelque part entre les deux, entre des besoins et une aspiration à dépasser les besoins. Même les personnes qui sont profondément empêtrées dans leur compulsion, leur addiction, même elles, si vous regardez de très près, quelqu'un se saoule, je crois qu'à partir de demain, l'alcool est disponible. Je l'annonce, c'est tout. Si vous n'êtes pas ivre en permanence comme moi, pour vous, j'ai dit, vu que les gouvernements des États ont besoin de revenus, l'alcool est une source de revenus majeure pour eux. Donc, il n'y a pas que les buveurs qui sont assoiffés. Ou peut-être qu'ils ont cassé cette habitude, qui sait, en 38 jours de confinement. Un certain membre élu de l'assemblée locale au Rajasthan a dit « Si se laver les mains avec le désinfectant alcoolisé tue le coronavirus, le boire va à coup sûr le tuer dans la gorge. » Le seul problème, c'est que ça contient 70% d'alcool. Si vous buvez de l'alcool à 70%, eh bien, on vous retrouvera quelque part, sous la forme d'une vapeur.
Donc, ce désir en chaque être humain, quelqu'un se saoule, pas pour donner un revenu à l'État, soyons très clairs là-dessus. Quelqu'un se saoule seulement parce qu'il veut se libérer de quelque chose qui l'ennuie. Peut-être que c'est sa propre structure mentale qui l'ennuie, peut-être que sa femme l'embête, ou ses problèmes d'argent l'ennuient. Libre. En Telugu, il y a un proverbe. Quels que soient vos maux, l'alcool est toujours un remède, car il soigne tout pendant un certain temps. Peu importe, vous avez le cancer, saoulez-vous simplement, pendant environ 6 heures, vous n'avez pas de cancer. Vous avez le virus. Saoulez-vous. Pendant 6 ou 8 heures, vous n'avez pas le virus. Et il pourrait même devenir ivre et s'en aller, qui sait? C'est ce que dit cet homme. Donc, les gens boivent, se droguent. Je prends des choses très compulsives comme exemple. Pour être libre, les gens travaillent jour et nuit car ils se disent qu'ils veulent se libérer de leurs problèmes financiers. Donc l'envie de devenir libre, à un certain niveau, quel que soit le niveau d'expérience d'un individu, est ce qui alimente l'activité humaine de bien des façons. Nous voulons même nous libérer de l'impact de la gravité de cette planète elle-même. Donc nous voulons aller dans l'espace. C'est une envie de liberté. Donc quand vous avez tant le désir d'être libre, n'est-il pas temps? Comment devenir libre, vraiment? Qu'est-ce qui enchaîne? Parce que si vous voulez devenir libre, vous ne devriez pas penser à la liberté, vous devriez observer avec attention les cordes qui vous attachent. Si vous observez les cordes qui réellement vous attachent, alors, naturellement, vous allez commencer à parler de mukti. Donc, on a observé ça de près. Qu'est-ce que c'est qui enchaîne un être humain? La chose essentielle qui enchaîne un être humain n'est que ceci. Si vous... Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Comme ça, les gens disent, « Vous savez, je ne suis pas du matin, je suis du soir. » Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne peuvent pas se lever de bonne heure. Leur corps est léthargique. Donc ils se lèvent à 9 heures. Évidemment, ils se couchent tard. Quelqu'un d'autre dit, « Je suis du matin, je ne suis pas du soir. » Si vous lui demandez de rester éveillé la nuit. Parce que partout où vous lui dites de s'asseoir, comme il a ce problème, il se couche tôt. Et évidemment, il se lève tôt le matin. Donc ce que je dis, c'est qu'avec pratiquement n'importe quoi, les gens s'identifient et ils pensent que c'est leur nature. Quelqu'un se met tout le temps en colère, s'emporte contre les autres. Vous le faites s'asseoir et lui demandez quoi? C'est ma nature, que faire? C'est le seul problème que vous ayez. Vous avez confondu votre personnalité avec votre nature. C'est tout. C'est le seul problème dans votre vie. Vous avez pris votre personnalité auto-créée, inconsciemment auto-créée, pour votre nature originelle. Vous pensez que c'est votre nature. Je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un de triste, je suis quelqu'un de joyeux. Ceci n'est pas votre nature. Bonne ou mauvaise, ce n'est pas votre nature, c'est votre personnalité. Votre personnalité est un collage de beaucoup de choses. Vous pouvez avoir ramassé de belles couleurs ou des choses moches, on ne sait pas. Si vous avez ramassé de belles couleurs, les gens vont dire « Oh, c'est quelqu'un de bien ». Pas de problème si les autres le disent, parce que les autres ne peuvent voir que ma personne. Ils ne peuvent pas voir ma nature.
Mais si moi, je ne vois pas ma propre nature, si moi, je ne fais pas l'expérience de ma propre nature, ce que ça veut dire, c'est que j'ai mis un masque et j'ai oublié. Pas le masque du virus. Un masque complet. J'ai mis un masque. Oh, c'est un mauvais exemple. Aujourd'hui, parce que tout le monde porte un masque et parle à tout le monde. Maintenant, vous ne savez même plus qui est le braqueur de banque. Les banquiers et les braqueurs vont se ressembler. C'est une époque très compliquée. Donc, vous mettez un masque, et avec ce masque, vous allez devant le miroir. Oh, voici à quoi je ressemble, ceci est ma nature. C'est complètement stupide. Mais c'est ce que fait pratiquement le monde entier. Ils prennent leur persona pour leur nature originelle. Donc Mukti veut simplement dire ceci, que ce que vous avez créé, vous le maintenez à une petite distance. Ceci est Mukti. Mukti veut dire, est-ce que j'irai au ciel? Le ciel est un foutu piège. Oui. Si vous allez vous coincer dans un paradis, vous ne pouvez même pas sortir. N'est-ce pas un piège? Au moins, si vous allez en enfer, vous allez brûler. Si vous brûlez, ça va se terminer. Au paradis, c'est un foutu piège, c'est un piège à miel. Oui, ça l'est. Donc, quand on dit mukti, on ne parle pas du ciel, on ne parle pas d'aller quelque part, on parle seulement de ce qu'on a créé et dans quoi on est resté coincé, empêtré. On veut le séparer. On veut être ici, être assis ici et palpiter comme la vie. Pas penser comme une personne, pas ressentir comme une personne, pas faire ceci, cela. Non pas que vous ne puissiez pas le faire, mais vous savez, les vêtements, exactement pareil. Vous savez que vous portez les vêtements, mais ce n'est pas vous. Exactement pareil. C'est pour cela qu'on a créé des méthodes variées. Une méthode importante pour ça, c'est... Mukti veut dire... En grande partie, dans le monde, les gens vont parler de dévotion. Mukti veut dire bhakti. Bhakti est la voie vers mukti, en général. Il y a d'autres moyens, mais c'est le moyen le plus rapide, car les émotions restent encore la partie prépondérante d'un être humain. Bhakti signifie la nudité de vous-même. Ça veut dire que vous avez tout enlevé. Vous avez tout enlevé, pas seulement les vêtements, y compris le corps et les structures que vous avez construites, par-dessus tout votre persona. C'est seulement du fait de votre persona que la forme de votre corps, votre style de cheveux, le teint de votre peau, tout est devenu important, seulement du fait de votre persona. Si votre personnalité reste à l'écart, si elle est aussi lâche que ça, vous êtes en mukti. Donc, s'il y a des problèmes dans la société, dites-moi, ceux qui sont libérés de leurs propres absurdités, des absurdités créées par eux-mêmes, est-ce que vont mieux rendre service ou est-ce que ceux qui sont empêtrés dans leurs propres trucs vont mieux rendre service? C'est à vous de décider. S'il n'y a pas de mukti, différentes personnes sont à différents niveaux d'une certaine forme de liberté. Certains ont de la liberté, d'autres sont gravement compulsifs. Mais si vous n'avez pas de compulsion, eh bien vous serez l'être humain le plus utile sur la planète. Vous serez l'être humain le plus efficace sur la planète. Et mukti est nécessaire. Quel que soit le niveau où vous êtes, peu importe où vous en êtes, vous ne devriez pas penser mukti, libération, flotter dans le ciel. Flotter dans le ciel n'est pas mukti. Vous savez, quand j'étais un très jeune garçon, j'étais tellement fasciné par tout ce qui vole. Donc je m'allonge sur la terrasse de ma maison pendant des heures. Vous devriez voir, si vous regardez certaines de mes photos, jeune garçon, je suis comme brûlé. Ma peau est toujours brûlée parce que
Pendant des mois et des mois, je pars juste m'allonger sur la terrasse, tous les jours, des heures d'affilée, juste à regarder ces milans et ces aigles volant là-haut. Ça m'a pris de nombreuses années à regarder ça, et j'ai réalisé soudain, ils sont là-haut, mais ils regardent toujours vers le bas. Moi, je suis ici, au sol, et je regarde vers le haut. Et je regarde l'oiseau, un aigle, il n'est pas heureux. Parfois il l'est, mais la plupart du temps, il est inquiet. Où est la souris? Où est le serpent? Où est... Il est en fait parti à son bureau pour gagner sa nourriture pour la journée. Nous, on pense à un oiseau dans le ciel. Waouh, la liberté. Vous savez, cet oiseau dans le ciel, cette idée de liberté, m'a amené à construire mon propre deltaplane et ça m'a brisé les deux jambes, d'un seul coup. C'est alors que j'ai réalisé, ces fichus machins volent là-haut et ils regardent toujours en bas. Parce que ce qui est vraiment précieux est ici en bas. Nous sommes assis et regardons en l'air. Moi au moins, je regardais les oiseaux. Beaucoup d'entre vous regardent pas la stratosphère, le paradis, le ciel, là-haut. Mais le temps que vous fassiez ça, la planète a tourné. De toute façon, on est à 11 degrés de latitude, on est... À partir de maintenant, à chaque fois que vous voulez pointer vos doigts vers le ciel, ça, c'est zéro. C'est vers là. Donc, votre personnalité signifie, c'est la structure que vous avez construite, un masque que vous avez créé, et maintenant pas capable de le retirer. N'est-ce pas une vie terrible? Si vous ne pouvez pas l'enlever, quel est l'intérêt? Ce que vous mettez, vous devez être capable de l'enlever dès que vous voulez. Autrement, vous êtes enlisé. Dans cet enlisement, vous devenez infirme de bien des façons. Si vous ne pouvez pas enlever votre masque, vous ne devriez pas en ce moment, c'est la loi, c'est une autre affaire. Mais si vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pourrez rien voir tel que c'est. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai travaille dans l'Himachal Pradesh. Et sa femme de Chennai l'appelle et demande, « Quel temps fait-il là-bas ? » Il répond, « Je ne vois rien, il y a de la brume partout. » C'est comme ça, quand il y a du brouillard, quand vous êtes embrumé avec votre propre persona, vous ne pouvez rien voir tel que c'est. Donc mukti signifie juste ceci, que vous avez dissipé votre brouillard. Maintenant, vous pouvez tout voir tel que c'est. Désormais, cette vie est libre. Maintenant, vous pouvez décider quoi en faire. Actuellement, vous ne pouvez pas décider quoi en faire parce que cette vieille information, le vieux logiciel, détermine où diable vous allez, quoi que vous essayez de faire. Vous faites ça, si vous êtes assis de ce côté-là, c'est vers Diksha Hall ou Akshaya, la cuisine, de là les odeurs vont venir. Vous allez partir comme ça. Et il y a un problème au centre Isha Yoga. On vous a dit, pour méditer, l'idéal est d'avoir légèrement faim. Ensuite, vous avez pensé, non, je vais m'éloigner, et vous êtes arrivé ici. Ici, Pepper Wine. Non, je ne veux pas de tout ça, je vais aller m'asseoir là-bas. Là-bas, Mundram Pirai.
Il y a tous ces restaurants différents aux alentours. Donc, où que vous soyez assis, légèrement fin, vous êtes déterminé, je le sais. Mais, il y a des compulsions. Tant que les compulsions sont là, compulsion signifie exactement cela. On retrace le même chemin, encore et encore. Retracer le même chemin veut dire que, de toute évidence, on tourne en rond. Tourner en rond signifie qu'on ne va nulle part. Oh, je me fiche de tout ça, il y a des problèmes dans le monde. Vous ne comprenez pas que les problèmes ne sont dus qu'à vous. Parce que il y a tant d'êtres humains comme vous qui sont pris au piège de leur propre poubelle, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Autrement, quel problème? Si les gens, les êtres humains n'étaient pas compulsifs, quel problème, je vous le demande, dans la société? Il n'y a en réalité aucun problème. Non, mais nous devons nourrir la population. La population serait très contrôlée si nous n'étions pas compulsifs. Tout serait comme nous le voulons. On pourrait décider ce qui devrait arriver, ce qui ne devrait pas arriver, mais en ce moment, tout, la structure même de la société est due aux compulsions humaines. Mais on pense que c'est notre nature. Ce n'est pas votre nature. Vous confondez votre personnalité ou votre persona avec votre nature d'origine. Donc tout le processus spirituel consiste juste à séparer ce que vous avez inventé et ce qui est vraiment là, en tant que vie. C'est tout, c'est mukti. Et ça devrait arriver maintenant, pas quand vous irez ailleurs. Pardon, ici. The next question. Oh, cette nouvelle concerne-t-elle l'ensemble du pays? Full lockdown. Confinement total. Full lockdown. Confinement total. Ça dit confinement prolongé de 2 semaines pour tout le pays après le 4 mai. Donc, confinement pour tout le pays, prolongé jusqu'au 17 mai. Mais avec quelques assouplissements pour certains types d'entreprises, certains types d'industries, et autres, mais jusqu'au 17 mai, ce qui peut paraître cruel, mais il est très sage de faire ça. Et en parlant de ces pandémies, notre expérience la plus récente d'une pandémie est ce qui est imputé aux Espagnols, la grippe espagnole. Mais la grippe espagnole n'a pas commencé en Espagne. Elle a d'abord été observée aux États-Unis. On ne sait pas exactement où elle a commencé, car même maintenant avec ce virus, il y a un débat sur où ça a vraiment commencé. Aujourd'hui, l'information, tout est bien plus avancé, alors peut-être qu'on arrivera à localiser. À l'époque, personne ne savait où ça avait commencé, mais les premiers cas ont été constatés aux États-Unis, puis en Espagne. Comme les gens circulaient librement, ça a en quelque sorte flambé en Espagne. Et elle a tué 50 millions de personnes. À cette époque, où la population n'était que d'environ 1,6 ou 1,7 milliard de personnes, elle a emporté 50 millions de personnes à travers le monde. En Inde, 18 millions de personnes sont mortes. Sur ces 18 millions de personnes, une grande partie... On ne sait pas exactement quel nombre, facilement au moins 3 à 4 millions de personnes sont mortes de faim parce que les forces britanniques ont emporté toute la nourriture dans leur propre pays et en Europe où la nourriture était nécessaire pour eux. Donc ils ont pris de force toute la nourriture. On estime que quelques 3 à 6 millions de personnes seraient mortes de faim. Mais on ne peut pas distinguer les personnes qui meurent à cause du virus et les personnes qui meurent à cause de la famine, parce que tout se mélange.
Personne ne peut vraiment le dire exactement. Probablement qu'à cause de la famine, vous devenez plus vulnérable au virus. On ne sait pas de combien de manières. Mais quoi qu'il en soit, 18 millions de personnes sont mortes dans ce pays. Et la mauvaise nouvelle est que ce virus-là aussi, la grippe espagnole a aussi commencé en février, mars, a pris de l'ampleur, puis s'est un peu éteinte, et ensuite la deuxième vague est arrivée, fin août, septembre, octobre. C'est la deuxième vague qui a emporté le plus de vies. Donc, ce n'est pas le moment de... Vous savez que beaucoup de gens pensent ça va se terminer demain, donc à partir du 4, ils vont faire la fête et sauter partout dans les rues. Ça serait la pire chose à faire. En ce moment, les gens manifestent, en particulier aux États-Unis, où le nombre de morts atteint plus de 60 000 personnes. Des gens armés, vous savez, des gens entièrement armés sortent dans la rue et manifestent. Dans un certain salon, au Texas, un coiffeur, un salon de coiffure, a embauché deux vigiles avec des armes lourdes qui montent la garde. Mon affaire va rester ouverte, c'est mon droit de la garder ouverte, avec des hommes armés. Ces choses vont nous coûter très cher. Si même 1% de la population se comporte comme ça, cela va être grave. Heureusement, le taux de mortalité de ce virus n'est pas aussi élevé que celui de la grippe espagnole. Mais le revers de la médaille, c'est que les gens peuvent être porteurs du virus sans aucun symptôme. Les porteurs asymptomatiques jouent un rôle clé, c'est le plus grand danger. Toute une population peut le porter et personne ne le sait. Ceux qui meurent continuent de mourir. Avec la grippe espagnole, les symptômes étaient rapides. La mort était également rapide. Elle n'a épargné aucune tranche d'âge, mais ce virus pourrait balayer la population âgée et affaiblir la population plus jeune. Les jeunes ne sont pas totalement épargnés. Les jeunes ne meurent peut-être pas, mais peuvent avoir une inflammation du cœur et devenir incapables de vivre une vie pleine, de bien des façons. De plus en plus de choses sont découvertes, chaque jour. Nous n'avons toujours pas une vision complète, mais aussi cruel que ce soit, deux semaines de plus, au moment où l'été va devenir chaud, nous avons beaucoup de chance qu'il pleuve ici tous les deux jours ou trois jours, mais autrement, dans les villes, l'été devient chaud, et les gens vivent dans des petits appartements. Je peux comprendre leur niveau de frustration, et ils pensaient qu'ils sortiraient après minuit, demain, mais c'est prolongé. C'est une décision très difficile à prendre pour le gouvernement. Nous devons tous apprécier les défis qui sont là, les défis économiques auxquels la nation est confrontée. Mais quand même, prendre cette décision dans l'intérêt des gens à plus grande échelle est une décision très audacieuse politiquement. C'est très très dommageable pour quiconque prendre de telles décisions. Mais c'est la bonne chose à faire. Nous devons continuer ce confinement en déconfinant les entreprises et l'activité économique pas à pas. Mais deux semaines de plus, dans tout le pays, on pensait que ça allait se passer en fonction des choix des États, mais maintenant, après avoir énormément consulté auprès de tous les experts, ils en sont arrivés à cette conclusion. Nous devons la respecter et nous y conformer. Tout le monde dans tout le pays doit la respecter, car ce ne sont pas des temps ordinaires. Et il est très important qu'en Inde, nous évitions la deuxième vague. Nous allons peut-être devoir arrêter les voyages internationaux pendant longtemps, ce qui coûtera très cher à la nation. Mais c'est mieux que de perdre un pourcentage de la population. Nous pouvons reconstruire ce qui s'est effondré, mais si nous sommes morts, nous ne ferons rien de tel. Donc, les gens disent, qu'est-ce que ça va faire? Lorsque 60 000 personnes sont mortes en Amérique, les gens s'interrogent et parlent de leur liberté. C'est toujours quelque chose que j'ai remarqué. Dès que vous prononcez le mot « liberté », vous avez tendance à devenir irresponsable. C'est la raison pour laquelle on parle de responsabilité.
La responsabilité est l'outil pour atteindre la liberté. Là où il n'y a pas de responsabilité, il n'y aura pas de liberté. Si nous parlons de liberté, nous ferons des choses fantaisistes qui vont à notre encontre. Donc, c'est le moment pour chaque citoyen de... Vous savez, d'être vraiment responsable, d'exprimer notre responsabilité. En ne faisant simplement rien, vous servez le monde, n'est-ce pas fantastique? Et aussi, cela signifie aussi que ça va entraîner d'énormes coûts financiers pour nous, Aïcha, parce que ça veut dire que ce service, fournir de la nourriture à des milliers de gens, va se prolonger davantage, et peut-être que ces chiffres vont augmenter. Maintenant, j'aimerais remercier et féliciter la personne qui a pris le tableau, qui n'a représenté qu'environ 40-42 heures d'effort pour moi, à plus d'un demi-million de dollars, ce qui n'est pas pour les compétences artistiques, c'est la compassion et le cœur de cette personne qui lui ont fait contribuer cette somme. Et maintenant, beaucoup de temps pour peindre, 2 semaines de confinement en plus. Retenez vos compulsions, encore 2 semaines. Mukti pourrait arriver.